Mais en fait, on n'en peut plus des gens qui révisent pour le bac dans les épisodes. C'est bon, frère, ton bac, c'est toute l'année que tu le prépares, non? Moi, j'ai fait pareil, moi, j'ai révisé la veille le bac. Pas fait l'acteur, les gars, deux fois, faut que je révise le bac, non? Je me suis dit, oh, gars, j'y vais au talent. Et qu'est-ce qui s'est passé au talent? Eh ben, je l'ai pas eu. Je l'ai eu au rattrapage. Mais je l'ai eu du premier coup, le bac. Premier coup au rattrapage. Voilà, j'ai pas retapé une année. C'est quoi ta note générale? Eh, Alexis, j'ai 32 ans, de quoi tu me parles, ma note générale? T'es là pour être. Tu veux qu'on se fâche? Tu veux qu'on se fâche? Moi j'arrive au rattrapage, Nanina, je vous ai raconté cette anecdote 150 fois. J'ai besoin de combien? J'ai besoin d'avoir 13 en physique appliquée. J'ai combien? J'ai 13 en physique appliquée, le monteur à synchro triphasé, bam bam bam, je suis construit un truc, je suis le mec, il a vu que du feu, il a dit qu'est-ce qu'il me fait? C'est qui celui-ci? C'est qui celui-ci? Je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit bah attends, frère, je fais un petit hélicoptère. Allez, tu offriras à ta famille, c'est pour moi, hein. Il m'a mis 13, hein, c'est bon. Oula, oula, oula. Non, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, qui êtes-vous? Je vais appeler la police. Eh, madame, t'aurais pas des liquides sur toi? Je parle pas de ta chatte, mon... Mais enfin, ça va pas, oh. On est les Canto Angels. Vroom, va-va-va-va-voum, vroom. La honte. Je dois faire le bruit de ma bécane tout seul. T'es en vélo, connard. J'ai l'impression d'être le Al Capone, nouvelle génération, grâce à ma nouvelle mallette pour ranger des cartes. Attendez, regardez ça, c'est assez fou. Pas d'embrouille, d'accord? Tu veux combien? Je vais devoir faire le code à l'abri des regards. Je sais même plus c'est quoi mon code. J'ai oublié. Look at this, guys. Il y a deux cartes. Mais il mange cru, lui, il mange cru, qu'est-ce qu'il branle? Oh non, mais Xav, la Xav, cuisson, t'as déconné, c'est rien fait, moi. Attends, mais moi, je lui prends l'assiette, donne-moi ça. Il y a une question, lui. Donne-moi ça, Kono. Ok. Mais ça faisait 9 de dégâts, j'allais pas le tuer, frère. Depuis tout à l'heure, je fais 9 de dégâts quand je tire dans la jambe. C'est un truc de fou de mourir comme ça. T'entends, la conne? Pourquoi tu meurs? Pourquoi tu meurs? Après, rien à voir, mais je préfère que ma meuf me trompe. Qu'elle ait des plans à 3 avec 2 mecs une fois dans sa vie. Lui, tous les jours, il se lève, il est comme ça en mode « Seigneur, je vous en prie, faites que ma femme ne se fasse pas désinguer par 3 mecs en même temps. » Qui demande même, tu vois, mais on est ensemble, hein. Il monte totalement son esquive. Malheureusement, c'est trop tard. Le vampigraine a déjà fait effet. Ben alors, Tadmorv, on se promène tout seul dans la rue? Eh ouais, Tadmorv, t'es tombé face au mauvais Boog. T'es tombé face à Zank. Ben alors, Tadmorv, on est con comme un cendrier vide? On utilise Lilliput? On attaque pas? On me redonne toute sa vie? Alors, Tadmorv, on est une belle merde? De la collecte avec bah, les promos. Je déteste ce bruit de plastique comme ça, ça me... Vous avez tous un bruit, j'imagine, hein, un bruit que vous ne pouvez pas entendre. Moi, c'est le bruit du polystyrène, le bruit de faire ça avec les ballons, là, comme ça. Je perds ma force. C'est comme si c'était ma kryptonite, je ne rigole pas. Nous vous prions de vous présenter, c'est ER. En cas d'indisponibilité ce jour-là, merci de nous le faire savoir le plus possible. Mais vraiment le plus possible. Et oui, effectivement, c'est cette visite médiacale. Donc là, le courrier, ils sont très forts à la prod. Mais je pense que le courrier a été envoyé depuis Abidjan, hein. Depuis un cybercafé, les gars. Ça, offrait, je m'en occupe. Donne-moi du poulet basique, s'il te plaît, là. Mais casse-toi là, qu'est-ce qu'il fout là lui? Eh ben je suis en train de te poser tes trucs. Nous on négocie avec les fournisseurs, mais oui. Non, mais me les pose c'est pas bon, là. On a le poulet. Tu mets les piments sur les poulets, mais tu es fou, Fada, que tu es. Ah non, c'est pas moi. Il me faut des assiettes, les gars, il me faut des assiettes. C'est assiettes pour le poulet, c'est rond. Bah, je sais pas, il me faut des assiettes, vite. Calme-toi. Assiettes carrées, entrecôte et poulet. Non, mais c'est bon, entrecôte, t'as déjà envoyé, pas besoin. Oui, mais besoin. Il m'en faut quand même parce que j'en ai fait une d'avance. Mais oui, mais pourquoi faire? Elle va refroidir. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait 13 clients. Mais non, mais ça sert à rien. Faut pas paniquer, putain. Voilà, il n'y a pas de pomme de terre coupée, mais que sur le poulet. Mais pourquoi c'est trois dans le frigo? Mais c'est pas normal que ce soit moi qui dois gérer ça. Il faut deux cuisses, mais non, mais c'est moi. Mais putain, tu me demandes rien. Et puis surtout, là, tu fais n'importe quoi. Mais oui, tu brailles et tu te plains. Et surtout, regarde, la viande, là, ça fait 18h qu'elle est là. Même mon clébard, on voudrait pas. Mais vous trollez. Putain, y'a rien qui c'est catastrophique. Vous êtes vraiment des merdes. Je vous dis, vous êtes des merdes. Je suis désolé, j'ai acheté ta poubelle, elle mérite rien. Sublime. C'est vraiment magnifique ce qu'on vient de produire ensemble. Ah. Alors attention, pamplemousse rose, si vous prenez des médicaments, le pamplemousse peut agir contre certains principes actifs. Anax, attention Anax, ça c'est une fake news, on l'a vérifié la dernière fois. Non, c'est réel, le pamplemousse on nous dit en médecine. Mais attendez, c'est qui vous dit ça en médecine? Des gens qui sont médecins? Qu'est-ce qu'ils y connaissent les médecins à la santé? Pff, ils connaissent rien du tout, alors que moi mon pote, voilà. D'un point de vue naturopathique ça peut influer, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous utilisez des mots au hasard? C'est quoi la prochaine étape? Les vaccins? Moi j'ai mangé des palettes de chloroquine, hydroxyde de calcium. Waouh. Et ça
ça va beaucoup mieux maintenant. Hein. Alors oui, j'ai plus de cheveux, mais je peux plus attraper le Covid. Je suis immunisé à vie. Il y a des cuisses de poulet. On en fait quoi des cuisses de poulet? Les pâtes, les cuisses de poulet. Il en faut deux des cuisses de poulet. Il y a quoi avec la cuisse de poulet? Je te dis, je regarde la recette. Alors il faut tout qu'il sel, 3 grammes, piment 3 grammes. Attendez, stop, cuisse de poulet vite. Sel 3 grammes, piment 3 grammes, tranche de tomate que t'as grillé. Mais va surger, ça va surger, bordel, fais comme tout le monde. Mais je peux pas tout faire en fait, je peux pas tout gérer. Mais surger, tu veux un assistant. Tiens, je te mets à cuire, Non, je les retiens, mais prenez de la poitrine de poulet. Attends, mais attendez, je peux vous dire qu'à la fin de cette journée, on va se parler, hein. Il faut du sel 3 grammes, piment 3 grammes. Ouais, fermez-moi fait, ce ça. Frigo. Non merde, c'est si long. Ouais. Attention. Vous allez voir, la carte que je vais faire apparaître va être extraordinaire. Une belle merde. C'est une belle merde, mais c'est pas fini. La carte que je vais faire apparaître devant vos yeux ébahis va être incroyable. Vous allez voir, c'est une belle merde. Là, c'est une shiny extrêmement rare. Hop. Oh, oh famignol. Oh famignol. Oui, allô? Ah non, c'est magnifique! Oui, allô? Oui? Oui, bah... Mais oui, évidemment, oui! Oui! Bah, je vous rappelle, hein! À demain! Non, c'était mon père! Boing boing, t'as essayé le jeu du saut? Il te faut des Pokémon qui peuvent boing boing. Il y en a qui font boing, et d'autres boing. Tu savais pas, hein? Oh, quel débile! Perso, je suis une meuf qui en a marre de toujours dépendre des autres pour même accrocher un tableau. J'ai pris des cours de bricolage chez le roi Merlin et maintenant j'ai pu poser un parquet tout seul, etc. Tellement satisfaisant. Ben bravo. Eh ben, Bubiz, je t'applaudis. Bubiz, c'est dans quel département que t'ailles poser du parquet chez les gens là? Un petit peu bravo, Bubiz. Bravo, mais c'est pas mieux de mettre du carrelage dans la cuisine. Allez, ça commence. Ça, c'est bien une gonzesse qui a posé du parquet dans la cuisine. Ça serait jamais arrivé avec moi, mon pote. Envoie-nous de la merde, ils seront contents, c'est pas grave là, mais c'est putain, le moment. Mais putain, je n'ai aucune communication. Non, stop, bah je ne sais pas ce qu'ils ont à faire. Il y a trois plats à faire, fais un peu de tout hein. Mais vous me dites pas ce qu'il faut exactement, bande de trous du cul. De toute façon, on ferme ce soir, c'est fini, c'est fini, on va se parler. Dégagez les clients, dégagez. Donne les sous et casse-toi. Donne ta suite toi, sale con, dégage. Allez, tiens, ferme la vaisselle. C'est fermé, c'est fermé. Allez, casse-toi, ils sont pas contents, mais t'es revenu ailleurs. Et parle mieux du chef, il a fait tout ce qu'il pouvait, casse-toi. Ok. Putain, DSL, hein. Aucune hype. J'aimerais bien la Siri. Oh, back to back. Oh, attends, trois d'affilée, mais c'est une folie. Putain, mais j'ai eu les trois. J'ai eu Siri, Yennefer, Triss, et j'ai pas eu une seule 5 nattes. Enfin, frérot, donne-moi les bons éléments. Ça, c'est un beau fauteuil de merde. Oui, parce que Franck, vous savez, mon beau-père, il a qu'une jambe. L'histoire est folle, hein. Il avait rencontré Michael Jackson, il a fait le jeu. Ah, je t'ai volé ton nez. Michael Jackson, il a fait oh putain, il m'a volé mon nez. Il a mal pris, et du coup, lui a dit ah, je t'ai volé ta jambe. Du coup, bah, il en a plus qu'une. Mais bon, après, c'est ça l'histoire, on reviendra pas dessus. On y va. Ah oui, quelqu'un a dit ça coûte une fortune, les bons fauteuils. Vous savez combien le fauteuil de Franck coûte? Alors qu'il est défoncé, frère, hein, parce que lui, il fait de la mécanique, il construit sa maison avec et tout machin. Enfin, bon, c'est juste incroyable. Entre 3 et 5 000 balles, le fauteuil. Bon, les gens qui abusent tout de suite, hein, 20K, frérot. Le fauteuil, il y a Xzibit qui débarque et on est dans Pimp My Wheelchair. Damn right. Franck, on a vu que t'adorais tout simplement les belles bécanes. Regarde, on a mis une Harley Davidson derrière. Bam, 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 bam. Directement, Super Bowl, donc là je vous fais un tuto. How to capture Sulfura in the poudre dao. So it's very very simple. You have to let Sulfura at 1 HP. And right now, we use only Super Bowl is sleeping. He's sleeping right now, no problemos, he's just sleeping. Like just chatting on Twitch, but just sleeping. And only Super Bowl. Yes. Je suis trop intéressé, ouais. I am not interested. Fils de pute. Peut-être Pikachu dans le Pikachu. Alors là, ce serait l'histoire. Pikachu, on se met à poil. On y va, allez hop. Putain. Bon, allez.
je me dessape. Gérard vient de recevoir une lettre de son assurance afin de confirmer son invalidité. Questionnaire pour les assurés. Êtes-vous valide? Non? D'accord. Bonjour, bienvenue sur Pornhub. Avez-vous plus de 18 ans? Oui. Bienvenue chez nous! Prenez donc cette belle bite et branlez-vous. Bonjour, vous voulez rentrer sur le territoire américain? Êtes-vous un terroriste? Possédez-vous des armes à feu dans vos bagages? Non? Rentrez! Attends, kebab simple, il faudra... Il faut graisse de queue, aïe! Hein? Graisse de queue, de la graisse de queue, ça tu connais mon Lolo? Je peux avoir, et de... les gars, si vous voulez, on peut y aller, c'est pas cher. Hein. Lolo, de queue Lolo, de côté. Tu viens te mettre dans la chambre froide, là, tu nous sors un peu de graisse de queue, là, tranquillement. Tu t'éminces le poireau, là. Attends. Là, t'es en train de me dire que tout ce que t'es en train de montrer, c'est littéralement tous les mobs que t'as pour l'instant? Oui, pour l'instant, mais j'ai pas encore fait de pack opening. Hein. Ah, parce que moi, on m'a dit, tu vas faire le live avec Tommy, vous allez jouer une heure. Attends, je mets ma carte bleue. Et moi, on m'a obligé à acheter un pack. Moi, je suis free to play sur le jeu. Pack transcendant. Ça, là, ça, c'est ça que vous avez. Il est pas cher. Il transcende le pack. Hein. Il transcende le pack là. C'est bon, Gigi, tu peux remettre. Vas-y, je remets. Je vous remets le live de Tommy, les gars. Donc, oh bah bizarre, comment t'as eu le pack transcendance? Mais ouais, j'étais trop fort. J'ai pex. Ah bah oui, voilà. C'est bien ce que j'étais trop en fast learner. Les factures là, l'électricité, c'est hallucinant. L'électricité, ça a explosé. Le prix de l'électrique, c'est cataclysmique. N'hésitez surtout pas à acheter des voitures électriques grâce à la prime à la nique ta mère. D'accord, laisse-nous là manger un peu, boire un peu de mazout. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous baiser? Non mais on en peut plus. Eh putain, c'est un stream engagé aujourd'hui, je vous le dis. Putain, vous avez pas marre? Français, réveillez-vous! Vous avez pas marre de vous faire baiser au quotidien? Qu'est-ce que vous aimez ça, vous faire baiser et après vous allumez une clope? Parce que vous adorez fumer, après vous vous êtes fait défoncer le trou de balle, c'est ça? Putain merde! Réveillez-vous, français! On est sur un chat international. Salut à tous, bienvenue sur Cupuc. Non, c'est pas Cupuc, c'est quoi? QSMP là ou je sais pas quoi? Le truc Minecraft, hein. Hello guys, I speak English, I'm very good. I am international, do Brazil. Au corps à port. Question pour un champion, mais confond tout. Ah, y avait un cul dedans. Guillaume et Kim, si tu connais. Non, je connais pas Guillaume et Kim, c'est qui? PTDR, mais c'est qui? Je sais pas du tout. Ah, t'as vu Samuel, une réelle addiction? Oui monsieur, à Valorant ça me fout droit. Ouais j'ai vu, il y a un vrai problème ce mec. Après il est encore jeune les gars, c'est normal aussi, on peut pas... C'est à 17 ans. Mais il a raison qu'il kiffe Samuel putain. Bien sûr que Valorant ça le sort de son quotidien, c'est quoi son quotidien? Il se réveille le matin. Bonjour les amis, c'est Samuel. Aujourd'hui donc, voilà, on va prendre un journal, on lit, hop, oh l'actualité. Est-ce qu'on peut vraiment la traiter sur Twitch aujourd'hui? Je ne sais pas. Il a bien raison. Va jouer à Valorant. C'est pas assez cuit. Comment c'est possible que ce soit pas assez cuit? J'ai fait exactement ce qu'il fallait. Donner kebab, il faut refaire un J. Bah oui, il faut que je refasse, mais je jette toutes les merdes qu'il y a là. Et en fait, je comprends pas. J'ai fait chauffer, j'ai fait exactement ce qu'il voulait que je fasse, mais. Ah mais est-ce que t'as allumé la machine? Comment ça? Oh la vache, le con. Ah c'est peut-être ça. Oh non. T'as pas allumé la machine. C'est normal que c'était pas cuit. Mais non. Tu sais, il le tourne à la main depuis tout à l'heure. Et les vélins de lumière et ténèbres, bah c'est forcément soit un mob qui est lumière, soit un mob qui est ténèbres. Et si t'as des étincelles, frère, sur ça, c'est des mobs de fou malade. Écoute, je te le dis, je prends pas de risque. Si dans les 3 vélins que t'as une étincelle et t'as un 5 étoiles, je pense que je fais une Momo Eni, j'explose mon écran en live. Je me rase la tête, frère, je me rase la tête en live. Le manque de vigilance de Gérard ont bouleversé leur existence. Gérard, merde à toi! J'ai vu le scooter et nous sommes percutés. J'ai fait quelques tonneaux et j'ai été éjecté. Attends, t'as fait des tonneaux et t'as été éjecté en percutant un scooter? D'accord, ok. Il a percuté ce scooter? Eh oui, bah évidemment, il était à même le sol, comment tu veux? Bah, c'était le scooter de Godzilla. 15, 20, let's go, on a tous gagné. On part. On se lève pour le... Les gars, on doit pas tomber dans l'addiction parce que bon, nous, allez, c'est la allez, somme de tomates qui va nous rendre. C'est vrai, c'est vrai. Allez. Tu l'as viré, non? 250 balles par jour, bon, je l'ai viré. Oh merde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est parti seul, qui prend l'air au blackjack là, non? Putain, elle vient de me gagner, elle est trop forte. Non, putain, j'en peux plus. Je crois que c'est le moment de. Parce que là, c'est du craquage, je crois que c'est le moment de dormir. Ça, c'est beau parce que j'allais prendre un prêt. Parce qu'en vrai, là, les gars, ce qu'on peut faire, non, c'est. Non, mais on va pas faire un prêt pour jouer au blackjack. Si jamais on a 10 000. Oui. Donc on se fait une grosse journée. Ok. On a 10 000, et ben on peut faire un prêt de 20 000. D'accord. Ça voudra dire qu'on a 30 000. On met tout au BJ. Oui, ben on tente d'acheter le truc. Allez, vas-y. Et si on perd tout, c'est une fin de soirée, hein, je vous le dis. Ah, bah oui, bah évidemment. Voilà, allez, go, Blackjack. Gigi, tu fermes. Je ferme la boutique, allez, casse-toi. Là, ferme. Voilà, c'est bon, gars, voilà. 30 000, allez. C'est bon, les gars, c'est bon, maintenant on est parti. J'arrive, allez. Attendez-moi. Vas-y, Gigi. Oh, 22, c'est fini, allez, hop. As, je stay. Ah, putain. Putain, là, un as, c'est sublime en tout cas. C'est une fin de soirée.
Là, en fait, là, tu vois, t'as pas le skill 3 parce qu'il est pas éveillé, donc ça dégoûte. Laisse-moi faire, t'inquiète pas. Donc, c'est très bien, tu gères. Ok, 3, attends, non, non. Oh non. Oh l'erreur, oh, l'erreur de Zinzin. Oh l'erreur. Le typo, terrible. Non, mais au-delà de ça, il a pas lu ses spells. Il a une particularité, lui, Indra de fou Zinzin malade. Oui, c'est que. Oh non, je l'ai mort. Ouais, il est mort, frère. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Oh, il va se faire laver à cause de son erreur. Non. Je t'avais dit, Geralt. Mais c'est n'importe quoi, mais Geralt, MDR. T'avais dit. Les gars, choper Geralt, le mauvais gratuit, il a un set de fou malade. C'est vrai. Et qui êtes-vous? Je suis une abonnée. Du coup, je suis rentrée parce que j'ai trouvé la clé. Mais attends, mais c'est une abonnée qui me fait un bisou encore? Pour voir, je vérifie. Ah, Berke, Jiraya se fait lécher la gueule en live. What the fuck? Le best of comme ça? Je me fais lécher par une langue géante? C'est vu Alexis Texas, c'est l'époque. Ça. C'est que des darons dans le chat en même temps. Allô, notre temps pour se branler. C'est la galère. Hein. Fallait enregistrer la VHS en clair sur Canal Plus samedi soir. Tori Black et Alexis Texas. Non mais ça va le chat? On vous dérange pas ou quoi les gars? Vous faites quoi là devant ce live? Vous avez un dual screen? Vous avez un deuxième écran pour vous Bumblebee le Mégatron? Attends, Xav, un petit Perrudo? Non. J'ai vraiment trop faim là et en plus. Oh putain, mais en fait. Il marche bien son micro là, c'est quoi? Ouais. Tu savais que c'est son métier? Non, mais ouais, il coupe un petit peu ton micro, c'est-à-dire que t'es en pleine phrase. En fait, oui, c'est ça, tu parles. En fait, en gros, t'es en train de nous parler. Après, c'est pas non plus trop. Les gars, il y a quelque chose. J'ai vu un truc de fou. Vous êtes prêts? Y a rien! C'est un truc de malade! D'ouvrir deux tripacks d'affilée, me dis pas que celui-là me donne rien. Non, là, je pète un plan. Là, s'il y a rien, je casse tout. Dis-moi qu'il y a un truc. Il y a un truc. Wow! Paper S-A-R! Ben voilà! Vente est très bien, tu peux avoir des petits bangers, ok. Ah putain, tu peux pas en acheter 3, ça dégoûte, mais vas-y. C'est Attends, je peux pas mettre de l'argent pour mettre pour acheter. Attends, si tu me prends par les sentiments, je vais te donner des conseils. Attends, Gérard commence seul sa rééducation lorsque Sophia n'est pas là. Je faisais des exercices de rééducation que je trouvais sur internet. Mais moi personnellement, vous saviez, j'ai fait ma chimio sur internet. Bah sur Doctissimo, j'ai tapé chimio pour les nuls. Hop là, j'ai pris ça, ok, il me faut ça, tac, boum, vas-y, hop, on y va. Oui, bon, bah tout est accessible aujourd'hui, hein. Bah bien sûr, avec les tutos sur YouTube, on s'en sort très bien.